Mesdames et messieurs, bienvenue à une nouvelle vidéo YouTube où est-ce que je vous montre ma première heure avec une nouveauté jeu vidéo pour 2024. Aujourd'hui, je suis très excité de vous montrer un titre qui vient me chercher là, dans la nostalgie. Un titre que j'ai longtemps regardé mon père jouer quand j'étais jeune. Un titre qui, je dirais, définit là, mes intérêts au niveau des jeux vidéo. J'ai toujours été un grand fan de jeux action et d'aventure et en partie, c'est à cause des OG Tomb Raider Games. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de vous montrer en avant-première Tomb Raider 1, 2, 3 Remaster, donc une collection de remaster des premiers Tomb Raider qui, si je me trompe pas, sont parus initialement sur PlayStation 1 puis là, après ça, sont sortis sur les autres plateformes. Fait que c'est ça, fait que c'est des jeux que j'ai vus dans ma jeunesse, mais je n'ai jamais joué. Et là, ça va être comme la première fois que je joue à ces OG titles-là. Fait que là, le menu évoque des vibes nostalgiques, là. Je reconnais la toune de Tomb Raider 1. Là, si on regarde, on a Tomb Raider 2. On a Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft. Et si je pèse sur Start, on a les vieux graphismes, les amis. Fait que, of course, on va se contenter d'explorer le tout avec les rehaussements visuels, right? Je vais peut-être changer ici, là, voir ça ressemblait à quoi il y a jadis. Mais c'est un remaster, fait qu'on va focus le tout avec les nouveaux visuels. Une autre affaire aussi, un autre des gros questionnements que j'avais d'entrée de jeu là, avec cette collection-là, c'est au niveau des contrôles. Parce que si vous avez déjà joué au vieux Tomb Raider, vous le savez que les tank controls était quelque chose qui était, en fait, même n'importe quel autre franchise qui a des tank controls, là, c'est pas adapté pour les standards 2024 de jeux vidéo. Et là, Aspire, le développeur, ont retravaillé le tout, fait, en espérant que ça se joue bien, parce que si ça se joue mal, eh boy, ça sera pas autant enjoyable, cette collection-là. Donc, Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered sera disponible ce mercredi, 14 février 2024, donc juste à temps pour la Saint-Valentin. Et c'est disponible sur toutes les plateformes, là, juste sur PC. Puis habituellement, je sais que mon layout, là, j'ai tout le temps mon écran de gaming à ma droite, à votre gauche plutôt. Là, je peux pas changer la résolution dans les settings, je peux pas rien changer, là, comme pas de setting visuel pour Tomb Raider. Du moins, en gossant vite vite. Là. Fait qu'on va juste se contenter de ça. On parle de tout. Oh wait, ils ont pas refait les cinématiques. Encore les vieilles cinématiques. Vieilles. Ok. C'est un peu décevant ça. Je m'attendais à ce que tout était remasterisé. On voit rien, man. What's a man gotta do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Okay, wait, ça c'est les vieilles cinématiques, ça c'est les remastered? Dude, c'est laid, là. Jacqueline Natla does from Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. C'est horrible. Feast your eyes on this, Lara. How does that make you? I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. C'est plus, c'est plus visible avec les vieux graphiques. I guess qu'ils ont fait du travail là, mais si boy, man. C'est encore ultra blocky. Là, j'ai mentionné que j'ai jamais fait les vieux Tomb Raider, mais j'ai fait la trilogie la plus récente. Puis aussi Tomb Raider Legends, Tomb Raider Anniversary. Fait qu'au moins, tu sais, je m'y connais.
techniquement, cela, c'est la première version de Tomb Raider Anniversary, là. Fait que, ça fait longtemps que j'y ai joué, par exemple. Dans le fond, c'est juste un filtre pixelisé. Ils ont juste clean it up. On a des loups à tirer. Chabaye, le monsieur! Hey, check les loups! Oh, wow! Ça, c'est drôle as fuck. Je pense qu'il est mort, madame. Tu sais, comme ça aurait été nice là, qu'il remaster le tout avec des beaux visuels. Comme là, on... Là, c'est mieux. Right? C'est un peu mieux. Ok, là, comme j'ai dit, là. Ce jeu-là va make or break avec sa jouabilité. Oh shit. Fait que A, c'est pour sauter. Ça qu'est-ce faut que j'aille là. Oh my god. Dog. C'est injouable. Voyons donc, esti, fait juste climb. C'est un gag, genre. Voyons, tabarnak, je veux sauter et. Attends. Oh, pff, ok, quand même, on voit qu'il y a eu du détail, du travail qui a été fait. Si je veux. Ah, mettons l'option. Save game, ok. On va sauvegarder. The modern controls. Walk to action. Run back. Walk X. Jump action. Look. Dude. What? Genre, ils ont aucunement travaillé sur le gameplay, là. C'est moi qui s'en attendais trop de cette collection-là, là. Parce que, man, oh man. Shit is looking rough, les amis. Un jeu des années 90 là. Mais ouais. Ça a pas bien vieilli. Ah, Y. Je suis en train de break le jeu là, en faisant ça. Et si ouais, man, on a quand même fait du chemin hein, depuis la première sortie de Tomb Raider. My god, la caméra, c'est quoi qui se passe? Caméra, elle décide pour elle-même là. Oh boy. Ah, oh, sacrement. Ah,
Voyons, tabarnak, tu sais, qu'est-ce que c'est ça, esti? Dude, c'est à chier, là! Are you fucking kidding me? C'est les pires contrôles que j'ai vus de ma vie, là. Genre, modern control my ass. What the hell, dude? C'est quand même juste drôle de switch une fois de temps en temps. Genre, peux-tu? C'est comme impossible à viser les ennemis. C'est horrible. Je sais pas si la musique a été remastered. Oh shit. Tu sais comme, pourquoi quand je roll, faut que ça se tourne de bord? Ça a pas de sens là. C'est pas moderne, pas à tout ça là. Encore une fois, c'est peut-être moi qui s'attendais à trop genre un travail effectué là-dessus. Mais man, j'ai l'impression que c'est le travail le plus minimal qu'ils ont fait dans cette collection-là, for real. Oh my god. C'est vraiment juste comme on a mis le paquet sur le travail visuel. And that's about it. Est-ce que je peux me rendre là? Oh boy. Bro, ça a pas de sens là. Oh my god. What's the kicker? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Meurs, esti. Ok, on a un medpack. Excuse this. Cool. Au moins, c'est stressant comme musique, il y a juste un loup, là. Yeah! On a réussi la première mission! Ouais, je vous mentirai pas. Mon hype a été fucking tué. Genre, en ce moment, j'ai aucun plaisir à tirer des loups, là. Je pensais qu'il y avait comme un système de locking, quelque chose, mais pour vrai, c'est comme... Tu sais, je vais juste comparer, voir. On va mettre les tank controls pour le fun.
Bon, comment ça joue? Bon, là, j'essaye avec les tank controls. Ma chef tirée, esti! Oh, ciboire, ok. Ouais, fait que c'est peut-être meilleur que les tank controls. Mais ça suck pareil. Wait, non, j'ai reload ma save! Non! Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Rip. Fait que même le système de save est genre daté de l'époque là. Fait que là, vu que j'ai sauvegardé là. Ouais. Bon. On va aller essayer Tomb Raider 2 voir. S'il y a pas certains approfondissements. Non, toujours des vieilles cutscenes pour ça. Niveau gameplay, je sais pas s'il va y avoir une révolution. D'après moi, ça va être la même affaire. What the fuck, le cinématique du début de jeu là? C'est incroyable. Ça met en perspective comment les jeux ont évolué là, mais man, shit is looking rough, les amis. Donc ça, c'est avec les visuels remasterisés, sans les visuels remasterisés. Oh là là. Yo, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Oh my god, je pensais que le jeu allait crash. That was crazy. Oh! J'en reviens pas, man. J'en reviens pas. Shit. J'avoue, tu sais, si refait les cinématiques, ça aurait été comme plus un remake qu'un remaster. Là, c'est peut-être moi qui est trop rough. Mais je sais pas, on dirait qu'on a tellement été gâtés avec des remasters ou des remakes. Dans les derniers mois slash années, que comme... I don't know. Peut-être c'est moi qui s'en attends à trop, là. Là, j'ai un shotgun. Comment je fais pour switch guns? Y'a-tu... Oh, Chris, hein? On a évolué aussi depuis le temps dans Tomb Raider 2. Ok, inventory. Large mini pack flare shotgun. Ok, faut que je l'équipe de même. Oh, si, boy. Oh! Le fucking lion, toi. Un tigre.
pour ça nier. Plus le temps, mon esti. Je te gonne. Ok, ça marche pas par là. Ok. On va mieux voir avec ça. Sérieux. Wait. Mur? Pas de mur. Mur? Pas de mur. Quoi? Mon joystick a décidé... Même pas mon joystick. Le personnage a juste décidé de s'écrire ça en bas. Dude. What am I playing right now? Je suis vraiment en train de me demander pourquoi que quelqu'un voudrait jouer à ça versus les derniers Tomb Raider. Pour la nostalgie. Ok, puis là mon jump a juste pas sorti. Hey, c'est nice! Dude, how the fuck are you? Ça a aucun sens. Pour vrai, là. Je pèse mon bouton pour sauter. Y'a rien qui se passe. I wish, guys, I wish que ce que vous voyez là, c'est moi qui niaise puis qui exagère. C'est juste incontrôlable. C'est absolument incontrôlable. Là, de tabarnak, là. Oh my fucking god, dude. Man, faudrait quasiment jouer avec les vieux graphiques. Les vieux contrôles, esti. Ça a aucun sens, là. Et voyons donc, man. Jamais autant struggle sur un... Platforming section, là, c'est du niaisage. Just make the fucking jump, dude. Background!
my god, dude. Yo, man. Okay. I gotta make this jump, man. Je comprends pas que... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Comment je ne peux pas? Y a-t-il comme un moyen de short jump or something? De comme pas... Se calisser à l'autre bout de la map? Oui, parce que c'est exactement ça que je voulais que tu fasses. Tu frappes le mur et tu te crisses en bas. Oh my god. Je serais même pas capable de faire la première mission de Tomb Raider 2, guys. Je serais même pas capable de faire le premier opening segment, là. Le platforming est juste dog shit. Le platforming est juste... So dog shit, là. Genre, je veux pas comme sound like the most, the biggest hater on the planet, mais comme, I can't do this. I fucking can't do this. Oh my god, I did it! Ok, là. Saute pas, mais oui, saute pas. Fais juste pas sauter. Asti, man. Ok, là, voilà. Oh my god. Man, c'est sûr que tu me niaises le calice. Dude, c'est juste... À ce point, c'est juste frustré. À moins que je peux pas aller là, là, mais... Oh, nice. Un autre tic qui a spawné. Bon, let's go! Enfin de la progression. Jesus Christ. Ça a tout pris. Fucking hell. Ça a pas d'allure. Ok. Ça n'a pas fonctionné. Faut-tu que je grimpe sur les côtés? Comme ça? Non plus. Ben, sacrement, il n'y a pas 10 000 affaires à faire ici. Là. Faut que tu sautes là-bas, mais comme... Christ, c'est vraiment mal design ce jeu-là de base. C'est même pas le remaster, c'est juste genre... Le OG version. Cyber. Bon. Qu'est-ce que c'est... What the fuck? Mais, je peux-tu savoir là, sincèrement? Y'a-t-il quelque chose... Que je dois apaiser pour comme... Walk, jump, action, lock. No, look, roll, secondary.
Fait que c'est quelque chose dans l'eau que je dois activer, genre une switch or something. En vrai, I don't understand. Pourquoi je pourrais make this jump? Pourquoi elle s'agrippe pas? Shit makes zero sense, dog. C'est le début du jeu. Ok? This is the hardest platforming I've ever done in my life parce que le jeu ne semble pas bien fonctionner. Dude. Faut pas sauter plus loin là déjà que je saute loin en tabarnak. Juste tirer dessus, Chris. Dude, ça a no sense, là. Ok, attendez, là. Faut que j'aille voir sur Internet, là. C'est peut-être moi qui fais de quoi de pas correct, là. Ok, je viens d'aller voir sur internet, il y a genre une mécanique que tu peux t'agripper. Comment que ça fonctionne? Jump action. Donc tu peux straight up genre jump et t'accrocher. Comment qu'on fait ça? I don't know. Le jeu ne nous enseigne rien. Même dans la version de base, j'imagine que comme... C'est pas enseigné. Ah! Bon. Fait que c'est avec le right trigger. Nice! Just like half pendant 15 minutes. Cool. Ok, on recommence. Ouh! Hey! C'est le fun d'avoir des jeux qui t'enseignent à rien pis qui est juste censé te deviner. Si, boy, man. Oh my god. Pourquoi ça a commencé à conduire comme l'estime de merde? Oh my god, c'est le corbeau le plus tanky que j'ai vu de ma vie. Je sais plus quoi dire. And back in the day, là, ces jeux-là étaient the shit. And I mean the shit, là, regardez-moi.
Dude, c'est épouvantable. C'est juste comme impossible à contrôler. Je sais pas comment... Comme... Pour vrai, je peux pas croire, esti, que this is what I'm playing right now. Take this. Pourquoi? Pourquoi tu take pas the thing? Take the thing, Lara! Allez, je laisse mon doigt dessus. Oh my god. Le onboarding dans le jeu de base, là. C'est dégueulasse aussi, là. 140 fois une notion de genre, hey. Back in the day, you had to figure shit out. Puis là, ces temps-ci, tout nous est donné sur un plateau d'argent que. Non, mais je veux que tu climb, Lara. Je veux que tu climb. How do you do that? Can you get out of the water, please? Thank you. Damn, il est mort plus vite que les corbeaux. J'en reviens pas. C'est quoi, c'est des araignées? Mon mot est resti. Mais là, tabarnak, je vais te tirer des araignées, man. C'est censé genre les locks tirer dessus, man. Oh my god, guys. Ça doit être une des pires expériences de jeu vidéo que j'ai jamais faites de toute ma vie. No joke, là. C'est incroyable. Je recommence le level! Tomb Raider 3, les amis. Ouh! Qu'est-ce qui peut aller... Qu'est-ce qui pourrait être pire, right? Avec Tomb Raider 3. Eh, misère, man. J'avais tellement de hype de revisiter ces titres-là ou de revisiter des titres que j'avais jamais joués, mais qui étaient iconiques, right? Puis, man... Non, ça me tente pas. Myself hoarse on this radio every day. It's just the weather dumps on us frequently here, and maybe my transmission doesn't get through. I don't know. I can't understand one word of what you say, Willard. It's all going swell, sir. Swell! Get the bit up! Get it out! Huh? Son visage, t'es-tu défiguré? Pour vrai, ce jeu-là me fait réaliser à quel point que... C'est fou à quel point que les jeux vidéo ont évolué. No joke, là. Parce que...
C'est à ça qu'on jouait back in the day. Puis c'était considéré comme peak gaming experience là, tu sais. Ok, on commence dans une forêt. Ok, dans ce jeu-là aussi, t'as la même... Ben, je pense qu'il est dans toutes les Tomb Raider, c'est juste que j'ai pas découvert que tu pouvais grapple. Aussi boire. Là, on va avoir du stupid platforming encore une fois ici. Ok, non. Hey, moi, je suis des singes innocents. Oh! Give me the med pack, little monkey. Tabarnak, je nage donc bien vite. What the fuck? Dude. Ok, laisse-moi qui pèse sur plein de pitons de sus. Okay. Je suis revenu ici. C'est un peu plus ouvert, hein, le trou. On va avoir plusieurs chemins à explorer. Ah, oh, ok, c'est de la boîte, dude. Pendant un instant, j'étais sûr que j'avais passé au travers de la géométrie. J'étais comme insulté. Ben, rip. All right, I guess. On meurt dans la boîte. Woo! Fait qu'il y a pas d'auto-save system, il y a pas... Si tu meurs, you're fucked. Yep, c'est exactement ça, les amis. Et on repart! On va chercher les petits loutils là pour commencer. Ok. What the fuck? No! Stanley.
C'est quoi cette affaire de cristal là, man? Ok, fait qu'on va pas là, la boîte. On va retourner sur notre chemin de tantôt en dessous de l'eau, là. Ouais, la porte, peut-être. Mais là, c'est pourquoi? Ok, fait que c'est des rapides, là, notre affaire. Mais... Ça contrôle toujours comme la merde. Ça a aucun sens. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été une façon comme d'expérimenter ces vieux jeux-là. Ok. Avec un œil un peu plus moderne. Non! Ça l'est pas! J'arrive-tu de là? C'est quoi ça là? Ok. On a droit à un autre switch. Nice! C'est un fucking piège. Ok. Et ça servait à quoi tout ça? Aidez-moi quelqu'un, Jesus fuck. Oh, il y a une corde! Ok. Gotta redo it, sérieux. Ok. Mais après, j'ai même pas besoin d'aller dans l'eau. Fantastique. Mais la... Ok, ça, si la porte reste fermée, ça veut dire que je peux monter de l'autre bord. Right? Ça veut dire que je peux monter de là. Parce que là, si c'est pas le cas, c'est mal designé en tabarnak, là.
Là, tabarnak, là. On peut-tu faire quelque chose dans ce jeu-là? Vous allez me faire chier tout le long. Man! C'est incroyable. Viens ta calice de singe là, je te gun, je prends tes... ton medpack. Ok. J'active la switch. De la porte ouvre. Ok. Mais si elle reste pas ouverte, il y a un problème avec ce jeu là. Elle est ouverte. Parfait. Pourquoi tantôt ça l'a pas faite? Je le sais pas. Bon, là ça la ferme. Là j'active cette switch. Parfait. Là je m'en vais là. Là le piège me touchera pas. Nice. Ok. Là on va là. Là on va là. Et là, puis-je... Mais c'est pas possible, j'ai rien fait, je... C'est définitivement une des pires expériences de jeu vidéo que j'ai jamais eu de toute ma vie, guys. Je sais pas si c'est la date. Je sais pas... Je savais que Tomb Raider, en général, les vieux jeux, avaient mal vieilli. J'espérais qu'avec cette collection-là, on puisse justement les apprécier. Non! Remaster avec un rehaussement visuel, des nouveaux contrôles, non. Ok, ces jeux-là ne sont pas faits pour exister en 2024. Ok? C'est pas jouable. J'ai joué une panoplie de jeux dans ma vie. Je n'ai jamais eu autant de misère à juste faire quelque chose dans une expérience de jeu vidéo. Pour vrai, à moins que vous êtes un die-hard fan de Tomb Raider, vous avez grandi avec ces titres-là, puis vous voulez revivre cette nostalgie, j'imagine que là, il y aurait un intérêt à checker cette collection-là. Mais pour vrai, aller jouer à la trilogie récente de Tomb Raider, là, comme Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, this is where it's at. C'est définitivement meilleur que la dernière heure que je viens de gaspiller en jouant à Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. C'est écœurant. Je suis abasourdi pour vrai. Je sais plus quoi penser. Oh là là, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer concernant les nouveautés de jeux vidéo en 2024. Ça arrive, man, des fois il y a des jeux que c'est, ça clique pas, ça clique pas, définitivement pas cliqué avec Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. N'oubliez pas que je stream lundi ou vendredi à partir de 9h ici sur YouTube, mais aussi sur Twitch. On couvre l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement à chaque jour ou presque. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la toute fin. Bon, on va désinstaller Tomb Raider de mon ordi et je vous souhaite une excellente journée.